Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, on vous entend. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que vous avez écouté quelque chose ce matin? Est-ce que vous avez un cours ou un TD ce matin? Parce qu'il n'y a que 20 étudiants. Non, c'est la première séance aujourd'hui. Donc, on va commencer. Tant pis pour les autres. Donc, la fois passée, on a défini on a vu l'algorithme de construction de la table d'analyse LL1 et on a vu deux définitions. La définition d'une grammaire LL1 et la définition de la loi d'une grammaire LL1. D'accord? On va prendre un exemple, essayer de vérifier les deux définitions en utilisant l'exemple. D'accord? Je vais vous partager avec vous l'exemple. Et on va l'étudier en utilisant les deux définitions. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va construire la table d'analyse LL1 et on va vérifier est-ce que la grammaire elle est LL1. Et la deuxième méthode consiste à vérifier que la grammaire elle est LL1 sans construire la table d'analyse LL1. Donc là, on va prendre l'exemple. Donc là, j'ai pris une grammaire G. Elle est construite avec le programme principal le Z. Elle est construite de 5 non-terminaux. Le E donne TE'. Le E' donne plus TE' slash epsilon. Le T donne FT'. Et T' donne étoile FT' slash epsilon. Et le F donne I slash parenthèse ouvrante, E parenthèse fermante. C'est une grammaire des expressions arithmétiques. D'accord? Donc, au départ, on va construire l'ensemble début et l'ensemble suivant, et construire par la suite la table d'analyse L1, et on va voir est-ce que la grammaire, elle est L1. Au départ, quand on remarque la grammaire ici, la grammaire, elle est non récursive gauche, et elle est factorisée. Vous voyez, il n'y a pas de récursivité gauche dans la grammaire G, et elle est factorisée. Elle est factorisée pourquoi? Parce qu'il y a les membres qui dépassent, les non-terminaux qui possèdent plus de 2 MDP, c'est le kt, E'. Vous avez E', le premier MDP, c'est plus, et le deuxième MDP, c'est epsilon. Il n'y a pas deux MDP qui commencent par les deux têtes. La même chose pour T', il commence par étoile le MDP, et le deuxième, epsilon. Donc, il n'y a pas deux têtes identiques. Le F, il commence par if, le premier MDP, et il commence par parenthèse ouvrante, le deuxième MDP. Donc, automatiquement, vous voyez que tous les règles vérifient les conditions de la factorisation, donc la grammaire, elle est factorisée. Et il n'y a pas la récursivité gauche. Pourquoi? Parce que chaque non-terminal, ça ne commence pas par son même non-terminal au départ, le MDP. Donc elle est récursive, elle est non récursive gauche. D'accord? C'est bon. Maintenant, on va prendre la deuxième définition. La deuxième définition d'une grammaire, elle vous dit quoi? Elle est non récursive gauche, factorisée. Si on trouve que la table d'analyse, elle est monodéfinie, donc la grammaire, elle est LL1. Donc au départ, on va construire l'ensemble DB et l'ensemble suivant de la grammaire G. Donc on va construire pour E, E', T et T' et F, l'ensemble DB et l'ensemble suivant. D'accord? Donc on a l'ensemble. Quand vous construisez l'ensemble début et l'ensemble suivant, surtout pour l'ensemble début, il faut commencer par les non-terminaux qui vous donnent des têtes au départ. C'est le kt e'. Débit de e', c'est quoi? C'est débit de plus t e', union débit de epsilon. Débit de epsilon, il va vous donner epsilon. Et débit de plus t e', il va vous donner plus. Donc on va trouver dans e' le plus et epsilon. La même chose, débit de T', c'est quoi? C'est débit de l'MDP étoile FT', union débit de Y. Débit Y, il va vous donner Y. Débit de étoile FT', il va vous donner étoile. D'accord? Maintenant, débit de F, c'est débit de I, inter débit de parenthèse ouvrante, E parenthèse fermante. Débit de I, il va vous donner I. Débit de parenthèse ouvrante, E parenthèse fermante, il va vous donner parenthèse ouvrante. Maintenant, il nous reste à définir le débit de T et le débit de E. Donc le débit de T, c'est quoi? C'est le débit de FT'. D'accord? Débit de FT'. Il y a deux non-terminaux, F et T'. On va prendre les débits de F moins Y. Les débits de F, c'est I et parenthèse ouvrante. Donc ça veut dire que T, il va contenir le I et parenthèse ouvrante. Maintenant, le F ne vous donne pas Y. On ne va pas prendre les débits de T' dans F. D'accord. Maintenant, on a construit l'ensemble des débits de T, on va construire l'ensemble des débits de E. L'ensemble des débits de E, c'est débit de T,
E'. Donc, parce qu'il y a deux noms terminants, on va prendre d'abord les débits de T moins epsilon. Les débits de T moins epsilon, vous voyez, le tableau, il n'y a que le I, la parenthèse ouvrante, ils seront inclus dans les débits de E. Donc, on va avoir I et parenthèse ouvrante dans les débits de E. Et puisque vous remarquez que T, il n'y a pas d'epsilon, donc ça veut dire qu'on ne peut pas accéder pour prendre les débits de E'. Donc, ça, c'est pour les débits de E, E', T, T' et F. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui me dit oui. Non. À quel niveau? Est-ce que vous avez des problèmes pour l'ensemble début? D'accord. Je répète. D'accord. Pour construire l'ensemble début des non-terminaux, d'accord, j'ai dit qu'il faut commencer par les non-terminaux qui vous donnent les têtes directement des terminaux. D'accord. C'est le cas de E', T' et F. Vous voyez que E', les débits TAO, ils sont directement visibles. Pourquoi les débits de E', c'est quoi? C'est les débits de plus TE'. Il va vous donner quoi? C'est plus. Et les débits de E', les débits de E', c'est union débit de epsilon. Débit epsilon, il va vous donner plus. Ça veut dire E', on va avoir le plus et epsilon. On va prendre débit de T'. Débit de T', c'est débit de étoile FT', union débit de epsilon. Débit de epsilon, c'est epsilon. Et débit de étoile FT', on a déjà vu précédemment la table de construction de l'ensemble débit, c'est A gamma. Donc, si vous voulez, débit de A gamma, c'est A. Donc, dans notre lehna, c'est étoile, c'est A. Donc, on va avoir étoile epsilon, c'est les débits de T'. D'accord. Par la suite, on va prendre les débits de F. Les débits de F, c'est débit de I. Débit d'un terminal, c'est terminal lui-même, c'est I. Débit d'un terminal suivi d'un gamma, c'est le terminal de départ. Donc, débit de parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante, il va vous donner parenthèse ouvrante. C'est bon. Maintenant, on va construire le débit de T qui est formé d'un MDP qui est FT'. J'ai dit la table de construction de l'ensemble, quand on a pris la table de construction, c'est les débits de grand A X1 jusqu'à Xn. On va prendre au départ quoi? On va prendre les débits de grand A. Les débits de grand A dans notre cas, c'est les débits de F. Les débits de F, on l'a déjà calculé sur le tableau, c'est quoi? C'est I et parenthèse ouvrante. Ça veut dire que le T, il va contenir le I et parenthèse ouvrante. Maintenant, deuxième condition à vérifier, si le F vous donne epsilon, je vais prendre même les débits de T'. Mais là, vous voyez que le F ne vous donne pas epsilon, on n'accède pas aux débits de T' qui ne sont pas inclus dans les débits de T. D'accord. Maintenant, les débits de E, c'est quoi? C'est débits de grand T, E'. Débits de grand T, grand E'. D'accord. Et ça veut dire quoi? Parce qu'on a plusieurs non-terminaux, on va commencer à prendre l'idée des débits de non-terminaux de gauche vers la droite. On va prendre les débits de T. Les débits de T, on les a déjà calculés. C'est I parenthèse ouvrante. Donc on va les ajouter. On va les ajouter les débits de I. Donc il va contenir le I parenthèse ouvrante. Est-ce que le débit de T maintenant il contient epsilon? Il ne contient pas epsilon. Donc on ne peut pas prendre les débits de E' qui sont inclus dans les débits de E. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on va passer à la construction de l'ensemble suivant. Pour la construction de l'ensemble suivant, on a vu la fois passée les étapes de construction de l'ensemble des suivants. Il y a trois étapes. La première étape consiste à quoi? À chercher dans les MDP, ce n'est pas dans les MGP, c'est dans les MDP, la partie droite, un non-terminal suivi d'un terminal. Si on a un non-terminal suivi d'un terminal, ça veut dire que le terminal est un suivant de non-terminal. On commence du haut. On commence du haut, on va voir que Z donne E, grand E, dièse. Ça veut dire quoi? Que dièse est un suivant de grand E. D'accord. On met dièse dans les suivants de grand E. Par la suite, on parcourt et on trouve en bas que parenthèse ouvrante E, parenthèse fermante. La parenthèse fermante suit le grand E. Ça veut dire que les suivants de grand E, elle contient la parenthèse fermante. C'est bon. Elle dit pour la première étape. Deuxième étape consiste à trouver au moins deux non-terminaux consécutifs. On commence mille fois. D'accord. Z, il ne vous donne pas le E, il vous donne TE'. D'accord. Vous avez TE'. TE', ça veut dire qu'on a un non-terminal T suivi d'un non-terminal E'.
Ça veut dire quoi? Que les dB de E' moins Y sont les suivants de T. Les dB de E' moins Y sont les suivants de T. Les dB de E', vous avez le plus et Epsilon. Nahul Epsilon, il vous reste le plus. Ça veut dire le plus est un suivant de T. On met le plus dans les suivants de T. D'accord? Maintenant, la même chose, le Tahta. On a la même chose pour E', donc plus T E', il va vous donner la même chose. Maintenant, le T donne F, T'. Ça veut dire quoi? Que les dB de T' moins Epsilon sont les suivants de F. Les dB de T', c'est quoi? C'est étoile Epsilon, Nahul Epsilon. Étoile, ça veut dire, est un suivant de F. On va rajouter étoile dans les suivants de F. Maintenant, ça pour les deux étapes, les deux premières étapes. Il nous reste la dernière étape, la plus importante, c'est de trouver un nom, dans les MDP, un nom terminal à la fin. Et elle va vous dire quoi? Que le suivant, le MGP, il est inclus dans les suivantes, le MDP qui le long terminal, le MDP qui se trouve la partie droite. On va commencer du haut. Z dans E, étoile. Donc étoile, ce n'est pas un long terminal à la fin. On ne peut pas appliquer cette. Mais E donne T, E'. On a un long terminal E' à la fin. Ça veut dire quoi? Que les suivants de E sont inclus dans les suivants de E'. Ça veut dire que dièse et parenthèse fermante sont les suivants de E'. On va les mettre dans les suivants de E'. Donc dièse et parenthèse fermante. Et maintenant, puisque E' donne epsilon, si E' donne epsilon, ça veut dire qu'on va éliminer E', il nous reste le T à la fin. Ici, on nous reste le T à la fin de l'MDP, ça veut dire que les suivants de E sont inclus dans les suivants de T. Les suivants de E sont inclus dans les suivants de T. Ça veut dire qu'on va rajouter T, puisqu'au départ, quand on a le plus, on va rajouter le dièse et la parenthèse fermante. D'accord? Maintenant, on va passer E'. E' donne plus T, E'. E' inclut dans lui-même, le suivant de E' inclut dans les suivants de E, le E', c'est le même. Donc E' donne epsilon, les suivants de E', les suivants de E', les suivants de E' sont inclus dans les suivants de T. On a déjà l'ensemble dièse et parenthèse fermant dans les suivants de T. On passe en bas, le T donne FT'. Les suivants de T sont inclus dans les suivants de T'. Les suivants de T, c'est plus dièse et parenthèse fermant, sont inclus dans les suivants de T'. Donc on va avoir plus dièse et parenthèse fermant dans les suivants de T'. Et puisque T' donne epsilon, les suivants de T sont inclus dans les suivants de F. Donc on va rajouter le plus, le dièse et la parenthèse fermante, les suivants de F. D'accord? Maintenant, on passe T'. Suivant de T' inclus dans lui-même T'. T' donne epsilon, les suivants de T' inclus dans F. On a déjà le plus, le dièse et la parenthèse fermante dans F. On passe le theta et on n'aura que ça. Donc on aura l'ensemble suivant que ça pour le E, E', T et T' et F. D'accord. Est-ce que c'est bon? Monsieur. Oui. Tu m'as dit que je devais faire les étapes de l'eau, je devais faire les ensembles début ou suivant. Nous allons faire la table d'analyse LL1. On peut la construire, la table d'analyse LL1, sans construire l'ensemble début et suivant. J'ai fait l'HNAIA pour vous permettre de faire des exos de plus, pour faire gagner les étapes qu'on a étudiées précédemment. D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, on a étudié la notion de récursivité gauche, la factorisation, l'ensemble début et l'ensemble suivant, puisqu'on va les utiliser par la suite, la vérification des grammaires LL1. Moi, j'ai pris un exemple pour faire le tour qu'on a fait précédemment, fait le cours les méthodes descendantes. Ce qui nous reste maintenant, les méthodes descendantes, il ne nous reste que l'algorithme, on va l'écrire par la suite, et on va passer pour la prochaine fois aux méthodes ascendantes. Il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, comment vous... savoir les suivants et les DB. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je n'ai pas bien compris. Il veut quoi au juste? Monsieur, l'ensemble des débuts et suivants, tu as un non terminal.
C'est la grammaire qui est, c'est en fonction de la grammaire qu'on peut détecter les ensembles suivants et l'ensemble. Puisqu'il y a une récurrence à l'intérieur de la grammaire. C'est à l'intérieur de la grammaire, on peut détecter, puisqu'il y a les étapes de construction, l'ensemble début et l'ensemble suivant. Il faut les suivre. Par la suite, on va trouver l'ensemble de chaque nom terminal et de chaque nom terminal. D'accord? C'est en suivant les étapes. Vous voyez l'ensemble suivant. Si on démarre au départ, on n'avait que dièse et parenthèse fermant l'ensemble E. Et par la suite, les étapes suivantes, ils nous ont donné par la suite les noms terminaux, les noms terminaux suivants. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est en appliquant les étapes de construction de l'ensemble début et l'ensemble suivant. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui. Je oui. Me oui. Une table d'analyse. Je vérifie. Est-ce que elle est là? Là, là. C'est la table d'analyse qui vous dit que est-ce que ce qu'on a vu la fois passée, deux définitions. Il y a une définition de laquelle il faut construire la table d'analyse. Et c'est elle qui va vous donner est-ce que la grammaire est LL1 ou là non. D'accord. Si on trouve une table monodéfinie, donc la grammaire elle est LL1. Il y a une deuxième étape. On vous dit est-ce que la grammaire elle est LL1 sans construire la table d'analyse LL1. On va voir les NFA de l'exemple. Je peux vérifier que dans la grammaire elle est non LL1 ou LL1 sans construire la table d'analyse. Il y a deux définitions. D'accord. Est-ce que vous voyez ça? Et là, j'ai fait les deux définitions. Nous construisons la table, et je trouve la table monodéfinie. Et puisqu'elle est non récursive gauche factorisée, donc la grammaire elle est LL1. Deuxième étape, non récursive gauche factorisée, et sans construire la table d'analyse LL1, je peux vérifier que la grammaire elle est LL1. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, oui. D'accord. Donc là, on va construire la table d'analyse LL1 et on va vérifier est-ce que la grammaire elle est LL1. D'accord. Si on trouve une table monodéfinie, donc la grammaire elle est LL1. Donc il suffit de construire la table d'analyse LL1. La fois passée, la table d'analyse LL1, on a dit quoi? Les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage. Union dièse. Vous voyez les noms terminaux. On a de E jusqu'à F. Donc on a E, E', T, T' et F. Les colonnes, l'alphabet du langage, vous avez quoi? C'est le plus, le étoile. Le étoile, le i, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et union dièse. Union, on rajoute le dièse. D'accord. Et maintenant, comment on va remplir? On va prendre chaque nom terminal et pour chaque MDP, on va remplir ligne par ligne. D'accord. Donc, je vais prendre le nom terminal E. Il possède un seul MDP qui est la règle 1, TE'. J'ai mis la partie droite. Quel est le DB de TE'? C'est et parenthèse fermante. Ça veut dire quoi? La ligne E avec I et la parenthèse fermante, on va mettre le numéro de la règle qui est la règle 1. 1, 1. D'accord? L'algorithme. Maintenant, deuxième étape, est-ce que T, E' vous donne Y? Ne vous donne pas Y, j'applique pas pour les suivants de E. D'accord? Parce qu'il y a deux étapes de la construction de la table d'analyse LL1. Première étape, c'est construire tous les débits de alpha moins Y, j'applique pour la même règle. Maintenant, c'est le alpha, c'est le MDP vous donne Y, je vais prendre pour les suivants et le MG. D'accord. Là, le alpha qui est T E' ne vous donne pas Y, j'applique pas pour le suivant de E. Maintenant, pour E', je passe la ligne E'. Il y a deux MDP. Il y a le MDP 2 et le MDP 3. D'accord. Le MDP 2, c'est E, c'est plus T E'. Le DB 2 plus T E', il va vous donner le plus. Ça veut dire quoi? La ligne I E'. Avec le plus, on va appliquer la règle 2. D'accord. Est-ce que plus T E' vous donne Y? Il ne vous donne pas Y, j'applique pas. Oui. Oui. Allô? Oui. Allô? في الاو علاش ما درناش سويفون؟ وي مسيو في الاو ريبيتي لا كيسيون جونطون مال سي فو بلي علاش ما درناش في الاو سويفون تاع الاو علاش ما درناش نورمالمون نديرو ان قلت لي في الاو سي فو بلي مسيو دابا نكتب لك في الشات واش نديرو في الاو جي با اونتوندي D'accord, s'il vous plaît. D'accord.
Vous dites que pourquoi on n'a pas fait le pour les suivants de E. Est-ce que le E, T, E' vous donne epsilon? Est-ce que le alpha qui est construit de T, E' vous donne epsilon? Il ne vous donne pas epsilon. On prend si seulement si le MDP vous donne epsilon. Est-ce que T, E' vous donne epsilon? Le gars qui m'a posé la question, est-ce que T, E' vous donne epsilon? D'accord. Donc, il ne vous donne pas epsilon, puisqu'on applique la deuxième pour les suivants. On applique pour la deuxième pour les suivants, si seulement si le MDP vous donne epsilon. D'accord. Donc là, on remplit. Je prends le MDP, je prends Gali début TAO moins epsilon. D'accord. J'applique pour la règle TAO, pour le E. Là, j'applique pour la règle E, la règle 1. D'accord. Si maintenant le alpha, le MDP vous donne epsilon, j'applique pour les suivants. Là, le alpha TANA qui est construit de TE prime ne vous donne pas epsilon. Donc, je n'applique pas pour les suivants de E. La même chose pour E'. Le MDP, TNL, le MDP, c'est plus T, E'. Est-ce que plus T, E' vous donne epsilon? Déjà, vous avez un terminal au départ. Impossible que le MDP, quand il contient un terminal, vous donne epsilon. Donc, j'applique que pour le plus. Le T avec plus, j'applique la règle de Flaline. Maintenant, il ne vous donne pas epsilon, je n'applique pas pour les suivants de E'. Mais E', là, le MDP 3, il vous donne epsilon. Ça veut dire qu'il vous donne epsilon directement. Je n'applique pas pour les débuts. J'applique directement pour les suivants de E'. Quels sont les suivants de E'? C'est dièse et parenthèse fermante. Dièse, parenthèse fermante, flaline 3, j'applique la règle 3 et 3. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc là, maintenant, on va passer le terminal T. T, vous avez le MDP TAO, c'est FT'. Le début de FT', j'y mets la partie droite, il contient que le I et la parenthèse ferme, parenthèse ouverte. Il n'y a pas d'epsilon. Ça veut dire T, flanine T avec pas I et la parenthèse fermante, j'applique la règle 4-4. Et puisque FT' ne vous donne jamais epsilon, j'applique pas pour les suivants de T. D'accord. Je passe le T'. T', il possède deux MDP, la règle 5 et la règle 6. Pour la règle 5, on a au départ un terminal qui est étoile FT'. Les débits de étoile FT', c'est étoile. Donc T' avec étoile, on applique la règle 5. Est-ce que étoile FT' vous donne epsilon? Impossible, puisqu'il commence par un terminal. Quand on a un terminal, un MDP, jamais on aura epsilon. D'accord. Maintenant, on passe à T' qui vous donne epsilon. Directement epsilon, on n'a pas pour les débits. On applique la règle 6 que pour les suivants de T'. Les suivants de T' qui sont les suivants de T', c'est plus dièse parenthèse fermante, plus dièse et parenthèse fermante, vous voyez, on applique la règle 6. Maintenant, pour le dernier, mon terminal F, il possède deux MDP, la règle 7 et la règle 8. La règle 7, il vous donne F donne I'. Donc début de I, c'est I. Donc F avec I, c'est la règle 7. Le I, c'est un terminal, il ne vous donne pas epsilon, j'applique pas pour les suivants de F. Maintenant, la règle 8, parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, le alpha tana, début de ça, il va vous donner parenthèse ouvrante. F avec parenthèse ouvrante, c'est la règle 8. Vous voyez que parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante, ne vous donne jamais epsilon. J'applique pas pour les suivants de F. Est-ce que c'est bon pour la construction de la table d'analyse LL1? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Et donc là, en appliquant la définition 2 de la grammaire LL1, on a dit quoi? La définition E, j'ai mis tout à fait en bas, que la grammaire G au départ, elle est non récursive gauche, elle est factorisée, on a déjà vérifié ça. Et vous voyez que la table d'analyse LL1 interne, elle est monodéfinie, implique que G est LL1 en appliquant la définition 2. D'accord? Table monodéfinie, vous voyez que on a chaque case, elle contient une seule règle ou la zéro règle. Les cases vides, c'est les cas d'erreur, d'accord, il n'y a pas de règle. Et les autres cases pleines, vous avez qu'une seule règle. Donc la table, elle est monodéfinie, donc la grammaire, elle est LL1. D'accord. Ça, c'est en appliquant la définition 2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, on va appliquer la définition 3. La définition 3, elle vous dit quoi?
Elle vous dit qu'on doit vérifier que la grammaire est non récursive gauche, factorisée. On a déjà vérifié que la grammaire elle est non récursive gauche et qu'elle est factorisée. D'accord? Il nous reste la troisième condition, c'est de quoi? C'est de prendre chaque MDP qui contient plus de deux. Chaque nom terminal qui contient plus de deux MDP, on va vérifier les trois conditions qu'on a vues sur le cours. Trois conditions à vérifier. Donc là, si on prend la grammaire Tana, on peut pas, la grammaire Tana, le E, il possède un seul MDP, donc il vérifie les conditions LL1. Le T, la même chose, il possède un seul MDP, il vérifie les conditions LL1. Donc il nous reste trois règles à vérifier les conditions LL1 pour E', T' et F. Donc je vais prendre la partie droite, vous voyez quand j'ai mes stylos rouges. Donc le E', il vaut donc plus T, E' et Epsilon. On va vérifier les trois conditions qu'on a vues sur le cours. La première condition consiste à quoi? À prendre un alpha i, débit de alpha i inter débit de alpha j égale l'ensemble vide. On a deux alpha i là. Alpha 1, c'est plus t e' et alpha 2, c'est epsilon. Donc je vérifie que le débit de plus t e' inter débit de epsilon, le premier il vous donne plus, le deuxième il vous donne epsilon. Donc il est égal à vide. Donc la première condition, elle est vérifiée. Deuxième condition consiste à vérifier quoi? Si un alpha i vous donne epsilon, il ne faut pas que les autres alpha j vous donnent epsilon. Vous voyez là que plus t e prime, il ne vous donne jamais epsilon, mais on a epsilon. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Si la deuxième condition, elle est vérifiée, on va passer à la troisième condition. La troisième condition, elle vous dit quoi? Si on a un seul MDP qui vous donne epsilon, il faut vérifier pour les autres MDP qui ne vous donnent pas epsilon. Inter le suivant, le MGP, il est égal à l'ensemble vide. Là, vous avez epsilon. L'autre MDP qui ne vous donne pas epsilon, c'est plus TE'. On doit vérifier que début de ça, inter suivant de E', qui est le MGP, début TE'l'oulen, il vous donne epsilon. L'inter, le suivant de E', d'après le tableau, vous avez le dièse et parenthèse fermante, il est égal à l'ensemble vide. Donc, j'y mets un. Applique la règle, vérifie les conditions LL1. Ce n'est pas la grammaire, c'est la règle qui vérifie les conditions LL1. Pour dire que la grammaire elle est LL1, il faut que toutes les règles vérifient les conditions LL1. Donc là, on a vérifié pour la première règle que la règle vérifie les conditions LL1. C'est la règle E'. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la règle E'? C'est simple, il suffit d'appliquer les règles qu'on a vues sur le cours. Les conditions qu'on a vues sur le cours. Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Okay. Monsieur Mahfoum, la règle deuxième. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'entends mal, s'il vous plaît. Ou je bien. La deuxième, il me fait un. La deuxième, elle vous dit quoi? Si un alpha i vous donne epsilon, il ne faut pas que les autres alpha j, pour j différent de i, vous donnent epsilon. Là, on a quoi? Est-ce que le plus de E' vous donne epsilon? Jamais il vous donne epsilon parce qu'il commence par un terminal qui est le plus. Donc le premier MDP ne vous donne pas epsilon. On n'a qu'un seul MDP qui est epsilon directement. Parce qu'on a deux MDP là, non? Un MDP qui est formé plus de E', mais le deuxième MDP c'est epsilon. Le premier ne vous donne pas epsilon et on a epsilon. Donc la condition elle est vérifiée parce que les deux, on a un seul qui vous donne epsilon. D'accord? Si on a 20, il faut trouver un seul parmi les 20 qui vous donne epsilon. Il ne faut pas que les autres 19 MDP vous donne epsilon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, la troisième condition, si un MDP vous donne epsilon et vous avez 20 MDP, un MDP vous donne, ça veut dire qu'il faut vérifier l'intersection avec le suivant, le MGP, 19 fois. Chaque MDP, il faut le prendre avec le suivant et vérifier est-ce qu'il ne contient pas, il est égal à l'ensemble vide. Maintenant, ça, c'est pour la règle E'. Donc, on va prendre la règle T'. C'est la même chose que E'. Hein, d'accord? T'. Donc, au départ, il faut vérifier que débit de étoile FT' inter débit de epsilon. Débit, le premier vous donne étoile, l'inter débit de epsilon égale l'ensemble vide. Maintenant, vous voyez que le MDP Loulan et étoile FT' ne vous donne jamais epsilon, puisqu'il contient étoile qui est interminable. Mais on a un MDP qui contient epsilon, c'est epsilon lui-même. D'accord? Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Maintenant, on a un seul MDP qui contient epsilon. Il faut vérifier pour l'autre MDP qui ne contient pas epsilon, inter suivant égale ensemble vide. Quel est le MDP qui ne contient pas le epsilon? C'est débit de étoile E FT', c'est étoile FT', inter suivant de T', le MGP TN, c'est T'. Début du premier, il vous donne étoile. Inter, les suivants de T', on a le tableau, c'est plus
pas dièse et parenthèse fermée, l'intersection elle est en égal ensemble vide. Ça veut dire que cette règle T' vérifie les conditions L1. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Il nous reste une seule règle à vérifier, c'est F. F donne I, parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante. Donc, on vérifie que DB2, il t'attache tout à fait en bas. DB2I inter DB2, parenthèse ouvrante, E, parenthèse fermante. Le DB2I vous donne I. DB2 deuxième MDPI vous donne parenthèse ouvrante. L'intersection, elle est égale à l'ensemble vide. Vous voyez le F, la règle F. Le I ne vous donne pas epsilon. Et le deuxième ne vous donne pas epsilon. Ça veut dire que la deuxième et la troisième condition sont vérifiées automatiquement. Puisque la troisième, on doit la vérifier si un MDP vous donne epsilon. Si on trouve un seul MDP vous donne epsilon, je vérifie pour les autres, les autres MDP qui ne vous donnent pas epsilon, inter, les suivants, l'MGP égale l'ensemble vide. Mais là, aucun des MDP ne vous donne pas epsilon. Donc la troisième, elle est vérifiée automatiquement. D'accord? Donc la règle F vérifie les conditions LL1. Et donc vous voyez donc la grammaire est non recursive gauche factorisée et toutes les règles de la grammaire J vérifient les conditions LL1. Donc la grammaire elle est LL1 en appliquant la définition 3 sans construire la table d'analyse LL1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc là, c'est bon. On va passer maintenant. Il nous reste l'algorithme de l'analyseur LL1, le fonctionnement de l'analyseur LL1. Je vais vous partager avec vous l'algorithme de l'analyseur LL1. Donc au départ, l'analyseur LL1, il va recevoir en entrée une chaîne en entrée et la table d'analyse LL1 de la grammaire. Parce qu'il va recevoir deux choses. La chaîne à étudier et la table d'analyse LL1 qui correspondent à la grammaire. Parce que la fois passée, on a dit que la différence entre les analyseurs par la descente récursive et les analyseurs LL1, si on touche la grammaire, on touche seulement la table d'analyse LL1. Donc, on va voir maintenant que l'algorithme de l'analyseur LL1, il est le même pour n'importe quelle grammaire. Il suffit de changer. Si on touche la grammaire, on touche la table d'analyse LL1, qui va recevoir en entrée la table d'analyse LL1 plus la chaîne d'entrée. Donc, le fonctionnement de l'analyseur, comment il fonctionne? Donc, il va recevoir on entre une chaîne d'analyse, donc délimitée par dièse à la fin, et une table d'analyse LL1. La chaîne d'entrée, elle va comporter un dièse à la fin, et on va avoir une pile à un instant, on va avoir une pile pour étudier le fonctionnement. D'accord? La pile au départ, on va empiler la pile au départ, tout à fait en bas le fond à la pile, le dièse. Et sur le dièse, on va empiler l'axiome de la grammaire. Donc, on va avoir le fond de la pile dièse. Et pour le dièse, on va avoir l'axiome de la grammaire. Et on commence par la suite le fonctionnement. Donc, on va voir comment il va fonctionner l'algorithme de l'analyseur LL1. Donc, je vais vous partager avec vous l'algorithme de donc là, on a l'algorithme de l'analyseur LL1. Donc, à un certain moment flattable, la pile d'analyse, on va trouver que les symboles de la grammaire plus le dièse. Les symboles de la grammaire, soit on va avoir un terminal ou les non-terminal, dans le pire des cas, on va recevoir le dièse dans le fond. D'accord? Donc, l'algorithme, comment il marche là, ici? Donc, vous voyez, on va lire une chaîne en entrée. D'accord? On va lire une chaîne en entrée. On va initialiser le terme TC au premier terme de la chaîne. On va empiler la pile dièse avec S. Ça veut dire on va avoir dièse. Pour le dièse, on va avoir l'action. On va prendre un boolean qui est fin d'analyse égale à faux au départ. Parce que dès qu'il devient vrai, on sort de l'analyseur syntaxique. D'accord? Tant que non fin d'analyse, on va faire quoi? On va tester le sommet de la pile. Si sommet de la pile, c'est un terminal. Si c'est un terminal, on va faire quoi? On va le comparer avec le terme courant de la chaîne. C'est TC égale sommet de la pile. Ça veut dire qu'on va avancer la pile et on va avancer la chaîne et on va dépiler la pile. On va dépiler le sommet de la pile, ce qui a égalité entre le terme courant de la chaîne et le sommet de la pile. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas égalité, on va mettre directement
une fin d'analyse avérée pour sortir et on va lui annoncer le message que la chaîne elle est incorrecte. Si on est dans les cas des méthodes déterministes descendantes. Sinon, ça veut dire que si le sommet de la piste n'est pas un terminal, il peut être soit un non-terminal, soit dièse. D'accord. Là, sinon, on a testé avec ce sommet de la piste appartenant à un. Ça veut dire que c'est un non-terminal. Si c'est un non-terminal, ça veut dire quoi? On va passer la table, on a le sommet de la pile, c'est un non-terminal, et on a le terme courant de la chaîne. On va faire quoi? On va passer la table d'analyse LL1 et chercher la ligne correspondant au sommet de la pile avec le terme courant de la chaîne, si la règle, elle existe. Si la règle n'existe pas, on est si la règle n'existe pas, vous voyez que T, tu as le sommet, tu as la table, tu as l'analyse LL1, tu as le sommet de la pile avec TC, il est égal à de blocage ou la zéro, il n'y a pas de règle, directement, erreur, chaîne incorrecte, et on va lancer chaîne incorrecte et on va mettre fin d'analyse avérée pour sortir. Maintenant, le sinon, ça veut dire que la règle, elle existe. Si la règle, elle existe, on va faire quoi? On dépile le sommet de la pile, on va le mettre dans A pour ne pas le perdre. On va mettre A, dans, on va mettre un pointeur qui va pointer le sommet de la pile qui est A. On va dépiler le sommet de la pile. Et par la suite, on va faire quoi? On va empiler l'image miroir, le MDP de la règle T dans A, T'. Donc, ça correspond à une règle. C'est le cas de l'exemple précédent de la table. Si on a la règle 1, on va prendre quoi? On va prendre le MDP T, mais on va empiler comment? On empile l'inverse T. On commence la queue vers la tête. Pourquoi? Parce que les micros sont mis de la pile, la tête, puisqu'on fait une analyse descendante du gauche vers la droite. Donc on empile l'inverse, c'est le MDP, la queue vers la tête. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas le sinon tehta, si ce n'est pas un terminal, si ce n'est pas un non-terminal, ça peut être un que dièse. Si on trouve que le terme courant à la chaîne, il est égal à dièse, donc on est arrivé sommet de la pile à dièse, et le terme courant de la chaîne à dièse. Si on arrive sommet de la pile à dièse, et la chaîne en dièse, la chaîne elle est correcte. Fin d'analyse, on va mettre fin d'analyse avérée. Si maintenant on est arrivé la pile à dièse et la chaîne n'a pas encore atteint le dièse TA final, donc la chaîne elle est incorrecte. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, ça sert à quoi le sinon du TC égal dièse? Égal dièse. Dès le début, c'est pas. C'est Kharjina, sommet de la pile qui est sommet de la pile, c'est dièse, mais le terme courant de la chaîne, c'est pas dièse. D'accord? Parce que le sommet de la pile, il peut contenir soit terminal, non terminal ou la dièse. Qu'il nous met le sinon le tahta. On est sûr que sommet de la pile, c'est dièse, mais on n'est pas sûr que TC, il est égal à dièse. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est bon, merci. D'accord? Parce qu'on est en train de tester le sommet de la pile. On a 3-4 sommets de la pile, terminal, non terminal ou la dièse. Sommet de la pile, il est égal à dièse, mais on n'est pas sûr que le test de la chaîne, il a atteint le dièse. Si on a égalité, donc la chaîne, elle est correcte. Maintenant, le sommet de la pile, il a dièse, ou fin de chaîne, il a dièse. Mais maintenant, si on a le sommet de la pile dièse, ou la pile dièse, et la chaîne, on n'a pas atteint le dièse, donc automatiquement, la chaîne, elle est incorrecte. Est-ce que vous avez d'autres questions?
pour un an terminal. D'accord. Si on a plus de deux MDP, on vérifie les conditions LLM. Mais maintenant, si on a un seul MDP, il a la condition, les trois conditions sont vérifiées automatiquement. D'accord. Oui, monsieur, merci. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Parce que ça c'est le donc jusqu'à maintenant, on a étudié les méthodes descendantes déterministes. D'accord, on a vu jusqu'à maintenant la méthode descendante. On avait deux méthodes descendantes. La méthode descendante déterministe avec la descente récursive. Et la méthode descendante déterministe en utilisant les analyseurs LLM. D'accord. Et on a vu jusqu'à maintenant la notion de récursivité gauche, factorisation, la notion de dérivation, la notion de récursivité et la notion de arbre syntaxique. D'accord. On termine la première partie des méthodes descendantes et déterministes. Et on a étudié deux méthodes. La méthode par la descente récursive, en écrivant des procédures récursives, et on a la méthode de la méthode en utilisant un analyseur LLM. D'accord? Jusqu'à maintenant, parce que la prochaine fois, on va étudier les méthodes ascendantes. D'accord? Et jusqu'à maintenant, on a vu les notions de récursivité gauche et les notions de factorisation. Donc là, on va, de préférence, avant de continuer le cours, on va faire l'exo 1 et l'exo 2 de la série numéro 2 concernant le principe de la factorisation et le principe de la récursivité gauche. Pour bien comprendre c'est quoi la factorisation et la récursivité gauche. Et par la suite, la prochaine fois, on va faire la suite et le corps en utilisant la méthode descendante. Essayez de voir maintenant, je vais vous faire avec vous la correction de l'exo 1 et l'exo 2 de la série numéro 2 concernant le premier exo, ça concerne la factorisation. D'accord. Donc là, je vais vous partager. Donc, ils ont donné l'exo 1, 3 grammaires G1, G2, G3. On vous demande, est-ce que la grammaire G1, G2 et G3 sont factorisées ou là, s'ils ne sont pas factorisés, on va les factoriser. D'accord. Donc là, on a le factorisation. D'accord. Donc là, c'est la correction de l'exo 1 de la série numéro 2. Donc, on a la grammaire G1. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez devant vous la grammaire G1? J'ai déjà écrit, même la correction, j'ai mis la grammaire G1. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Donc là, on a pris l'exo 1 de la série numéro 2. Et c'est la question, c'est de factoriser les grammaires suivantes. Donc, dans G1, S donne S or T slash T, T donne T and F slash F, F donne not F, parenthèse ouvrante, S parenthèse fermante, slash le true et le false. D'accord. Et factoriser, c'est quoi? Si on trouve dans une grammaire qu'il n'y a pas si on trouve au moins une règle de production qui contient deux MDP qui commencent par les deux têtes identiques, donc la grammaire, elle est non factorisée. Si on trouve une seule règle dans laquelle elle contient deux MDP qui commencent par les mêmes têtes, donc la grammaire, elle est non factorisée. Est-ce que la grammaire G1, elle est factorisée? Elle est factorisée puisqu'il y a les MDP tels, chaque nom terminal, ça ne commence pas par les mêmes têtes. Vous voyez, ça commence par S, le premier MDP, le deuxième MDP, ça commence par T. Fleuté, ça commence le premier MDP par T, le deuxième MDP, ça commence par F. F, pour les quatre MDP, ils n'ont pas des têtes identiques. Le premier, ça commence par not, le deuxième, ça commence par parenthèse ouvrante, le troisième, c'est le true, le quatrième, c'est false. Donc là, la grammaire G1, elle est factorisée. Est-ce que c'est bon pour la grammaire G1, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, monsieur. Donc elle est factorisée, on va pas factoriser la grammaire. D'accord? C'est bon. Maintenant, pour la grammaire G2. G2, on vous donne une grammaire des expressions arithmétiques. Donc, G2, E donne E plus T, slash E moins T, slash T. Le T vous donne T fois F, T divisé par F, slash F. Le F donne le N,
slash parenthèse ouvrante E parenthèse fermante. Le N donc 0, 1, slash 1, grand N, slash epsilon. D'accord? Vous voyez que la grammaire G2 n'est pas factorisée. Pourquoi? Parce que le E déjà, il y a deux MDP qui commencent par le même E. Et dans T, il y a deux MDP qui commencent par le même T. Donc la grammaire, elle est non factorisée. Est-ce que vous voyez ça? Donc on a le E, et le T, il vous donne au départ le MDPT, et le deuxième MDP, il vous donne T. Donc la grammaire, elle est non factorisée. Est-ce que vous voyez ça? J'ai mis alpha, alpha. C'est les têtes qui contient alpha, alpha au départ, c'est le alpha terna, il est égal à E. OK. D'accord, comment on factorise? On a déjà vu ça, le corps. Il suffit de laisser la tête identique. Il va vous donner le alpha qui est E et on remplace la partie droite par un non terminal E prime et le E prime il va vous donner la partie droite c'est plus T et étoile et moins T. D'accord? Et on a le moins T. D'accord? C'est bon? Maintenant, le deuxième T, la même chose, le alpha c'est T. Donc on laisse le T identique et on remplace la partie droite. C'est étoile F et division F. On le remplace par un T non terminal T prime. Et T prime va vous donner quoi? C'est étoile F et division F. Et les autres MDP, ils restent identiques puisqu'on n'a pas touché les autres MDP. C'est le cas, le F et le N. Maintenant, vous voyez que la grammaire G prime, G2 prime, elle est factorisée. Parce que chaque MDP, ils n'ont pas chaque MDP, chaque non terminal. Il n'y a pas un de deux MDP qui commence par les mêmes têtes. Et donc, la grammaire G2 prime, ce n'est pas G, elle est factorisée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, monsieur. Est-ce que le rythme, il est bon comme ça? Est-ce que... Est-ce que je vais vite ou là? Il faut me dire, même. Parce que là, pour se synchroniser ensemble, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon, donc, il nous reste pour la factorisation, il nous reste la dernière grammaire G3. On a pris la grammaire G3, le S donne X, Y, grand B, Z, grand A, slash X, Y, grand A, grand B, Z, et le grand A donne Z, grand A, slash X, Y, grand B. Le B dans le grand B, Z, slash Z, X, grand B, slash Epsilon. Et le grand C dans le grand A, Y, S. On remarque là que pour S, pour les autres MDP, et pour les autres non-terminales, il n'y a pas des MDP qui commencent par les mêmes têtes. Il n'y a que le S qui commence par les mêmes têtes. C'est X, Y, X, Y, les deux MDP. Donc là, le alpha terna, c'est X, Y, le premier MDP. Et le deuxième MDP, c'est X, Y. Ça veut dire que la grammaire G3, elle est non factorisée pour S. Donc, comment on va faire? Donc, on laisse le alpha identique et on remplace la partie droite. Donc, on aura le alpha CXY, on le remplace par S'. Maintenant, le S' il va être remplacé et on remplace la partie droite. C'est grand B, Z, grand A, slash, grand A, grand B, Z. Et on tombe sur une grammaire maintenant G3' qui est factorisée. Une grammaire équivalente qui est factorisée. Est-ce que c'est bon pour la notion de factorisation? Est-ce que c'est bon pour la notion de factorisation? C'est bon. Maintenant, on va passer au lexo 2. C'est la deuxième notion. C'est la notion de récursivité gauche directe et indirecte. D'accord? Donc, on a pris trois grammaires, G1, G2 et G3. On commence par la grammaire G1. La grammaire G1, elle vous dit quoi? S donne S1, 0, slash grand A, grand B. Grand A donne grand B1, slash 0. Et grand B donne S 0 slash 1. Vous voyez que j'ai mis bleu rouge S dans grand S au départ. S, il contient un MDP qui commence par le même S. Ça veut dire là, il y a une récursivité gauche directe dans S. On a déjà une récursivité gauche directe de S. Ça veut dire le MDP, on a le MGP. Donc ça, on a une récursivité gauche directe dans S. Et en ordonnant les non-terminaux pour voir est-ce qu'il y a des récursivités gauche indirectes. Comment on fait? On ordonne les non-terminaux. Vous voyez que S dans grand A, grand B, le MDP du deuxième MDP, ça commence par un non-terminal. Ça veut dire quoi? Que S, il est inférieur à grand A. D'accord? Et par la suite, le tête grand A dans grand B1.
Ça veut dire que grand A elle est inférieure à grand B en utilisant la notion qu'on avait fait le cours pour ordonner les longs terminaux. Et maintenant, grand B donne grand S 0. Donc, grand B, il est inférieur à S. Ça veut dire quoi? On a démarré de S et on est revenu vers S. On a un cycle. Si on a un cycle, ça veut dire qu'il y a une récursivité gauche indirecte dans S. Ça veut dire dans S, il y a deux récursivités. Une récursivité gauche directe et une récursivité gauche indirecte dans S. Comment on va faire pour l'élimination de ça? Si on a à l'intérieur d'une grammaire une récursivité gauche indirecte, il faut d'abord rendre le indirect direct et par la suite éliminer une seule fois le direct. D'accord? Et donc là, puisqu'on a une récursivité gauche indirecte dans S, on va rendre la récursivité gauche indirecte dans S direct et par la suite, on va éliminer la récursivité gauche directe en utilisant les règles qu'on a vues sur le cours. Comment on va transformer une récursivité gauche indirecte vers direct? Il suffit de faire une substitution du droite vers la gauche. Ça veut dire là, j'ai mis la flèche rouge, ça veut dire je vais faire une substitution d'abord de grand B dans A et par la suite de grand A dans S. Et quand on fait les substitutions, on va passer la récursivité qui est directe vers une récursivité indirecte. Donc là, j'ai fait la transformation de la récursivité indirecte en récursivité gauche directe dans S. Premièrement, substitution de B dans A. On va faire une substitution de grand B dans A par ces MDP. Ça veut dire qu'on va substituer grand B par S0 et grand B par 1 dans grand A. Et on fait monter par la suite et on va trouver la récursivité dans S. Est-ce que c'est bon? On va faire la substitution par la suite. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, monsieur. C'est bon. Je vais vous partager par la suite la substitution de B dans A et la substitution de A dans S. D'accord. Donc là, G', c'est la substitution de B dans S. Vous voyez, on a substitué le grand B par ses MDP. Donc les MDP étaient à grand B, c'est S0 et 1. J'ai substitué le premier MDP S0, 1, S0 suivi de 1. Et en substituant le deuxième MDP 1, on va avoir un 1. Et par la suite, dans A, on va rajouter le 0. D'accord? Donc là, on a fait une substitution de B dans A. Maintenant, on va faire la substitution de A dans S. On va faire les trois MDP, le A, ils vont être substitués dans grand A. Ça veut dire quoi? On va substituer grand A. Par la suite, les trois MDP, on va rajouter grand B à la fin. Le premier, S dans S, 1, 0, il reste identique. Le deuxième, on va substituer grand A. Grand A, c'est S, 0, 1, suivi de grand B. On va mettre le grand A 1, 1, suivi de grand B, et le grand A 0, suivi de grand B. On aura le A et le B identiques. Vous remarquez maintenant qu'on a une récursivité gauche indirecte dans S. Vous avez S dans S 1, 0, et S dans S 0, 1, grand B. Donc, vous avez deux MDP qui commencent par le même MGP, le même MGP qui est S. Donc, la grammaire, elle est récursive gauche directe dans S. Est-ce que c'est bon pour les deux substitutions? Est-ce que c'est bon pour les deux substitutions? Est-ce que c'est bon pour les substitutions? Oui. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui, monsieur, ça va le subna S inférieur à A. Il est inférieur à la AB. Monsieur AB, pour un seul non terminant, on prend la tête, hein, le MDP, ce n'est pas la totalité. Même si on a grand A, grand B, grand C, grand D, grand D, on prend la tête. La tête, hein, c'est grand A, ce n'est pas grand B. Le grand B, c'est la queue. D'accord? Fait le cours, on a vu quoi? Si on a S, si on a grand A dans grand B alpha, on ne s'intéresse pas à l'alpha, on s'intéresse grand B de départ. On a A inférieur à grand B. Peu importe la suite, le non terminal qui se trouve le MDP. Peu importe sa forme. Le plus important, c'est de trouver le MDP au départ, un non-terminal, pour dire que le MGP, il est inférieur au le non-terminal à l'MDP. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, mademoiselle? Est-ce que c'est bon? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon?
Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, on a une récursivité gauche directe. Bon, j'ai un prime, j'ai un second, d'accord. Et maintenant, il faut mettre en relief les bêta i et les alpha i. Pour faire la transformation, il faut, très important, mettre en relief les alpha i et les bêta i. J'ai dit la fois passée, les bêta i, c'est quoi? Les bêta i, c'est les éléments qui n'ont pas le nom terminal, à la récursivité au départ. Vous voyez là, le bêta 1, le bêta 2. Il commence par 1, 1, il commence par 1, l'autre commence par 0. On n'a pas S au départ. Si on a S, il va rentrer les alpha. Donc là, bêta 1, bêta 2, c'est les éléments qui n'ont pas le nom terminal de la récursivité au départ. D'accord? Et maintenant, les alpha I, c'est les éléments qui suivent le nom terminal de la récursivité. C'est le cas de SAD, il est suivi de 1, 0, donc c'est alpha 1. Et le deuxième S, il est suivi de 0, 1, grand B, c'est alpha 2. Si on arrive à mettre en relief ça, il suffit d'appliquer par la suite les règles qu'on a vues dans le cours. La règle, elle vous dit quoi dans le cours? Que le nom terminal de la récursivité va vous donner galé bêta I. Le S, il va vous donner bêta 1, c'est 1, 1, B. Bêta 2, c'est 0, B. Et chaque bêta I suivi d'un nom terminal créé qui est S' dans notre calendrier. 1, 1, bêta 1, 1, grand B, S', c'est le bêta 1. Bêta 2, c'est 0, B suivi de S'. Et maintenant, le nom terminal créé S', il va vous donner les alpha I. On a deux alpha I là, 0, 1, 0 et 0, 1, grand B. Donc 1, 0, c'est alpha 1. Deuxième alpha, c'est 0, 1, grand B. Et par la suite, chaque alpha I suivi de S'. 1, 0, S' et 0, 1, grand B, S'. Et on laisse grand A, grand B identiques, ils ne sont pas touchés. Et donc la grammaire, vous voyez maintenant, elle est non récursive gauche. Est-ce que c'est bon pour l'élimination de la récursivité gauche directe dans S? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Monsieur, allez, je t'aoude. N'aoude l'élimination. Oui, l'élimination. D'accord, monsieur Mouchkel. Ok. Donc, là, j'ai dit que pour éliminer la récursivité gauche directe, il faut mettre en relief les bêta I et les alpha I. Si on arrive à mettre en relief les bêta I, les alpha I, la transformation, elle est simple. Il suffit d'appliquer et d'appliquer les règles qu'on a vues sur le cours. Les bêta I, j'ai dit que les bêta I, c'est les MDP qui ne contiennent pas le nom terminal de la récursivité. C'est le MGP. Dans notre cas, c'est S. Est-ce que bêta 1 et bêta 2, ils ont S au départ? Ils n'ont pas de S au départ. Même si ils ont un autre nom terminal, peu importe. C'est l'essentiel qu'ils n'ont pas le nom terminal de la récursivité. Donc là, on a deux bêta, bêta 1 et bêta 2. Les alpha I, il faut séparer entre les alpha I et les bêta I. Les alpha I, c'est les éléments qui suivent le nom terminal de la récursivité. Quels sont les éléments qui suivent le nom terminal de la récursivité? Le nom terminal de la récursivité, là, c'est S. Le alpha 1, c'est 1, 0, vous voyez, il suit le S. Et le alpha 2, et c'est l'élément qui suit le S, c'est 0, 1, grand B. C'est deux chaînes qui suivent le S. D'accord? Maintenant, comment éliminer la récursivité gauche directe, puisqu'on a les bêta I et les alpha I? Le nom terminal de la récursivité qui est dans notre cas S, il va vous donner au départ les bêta I. Les bêta I dans notre cas, on a bêta 1, bêta 2. Bêta 1, c'est 1, 1, B. Et bêta 2, c'est 0, grand B. Maintenant, chaque bêta I suivi de S'. Bêta 1, donc c'est 1, 1, B suivi de S'. Et bêta 2, c'est 0, grand B suivi de S'. D'accord? Et maintenant, le nom terminal créé S', il va vous donner les alpha I. Les alpha I, alpha 1, c'est 1, 0. Alpha 2, c'est 0, 1, grand B. Et chaque alpha I suivi du nom terminal créé S'. Alpha 1, c'est 1, 0, suivi de S'. Et alpha 2, c'est 0, 1, grand B, elle est suivie de S'. Grand A et grand B, ils restent identiques puisqu'ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas concernés par la récursivité gauche. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon, monsieur, merci. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, on va passer... Si c'est bon, on va passer l'exo, la grammaire G2. Dans la grammaire G2, on vous donne G2, X, il vous donne Y, grand, petit B, petit A, slash Z, petit A, petit A. Y, il vous donne Y, A, B, Y, petit B, slash A. D'accord? Z donne Z, petit B, slash C. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a une récursivité gauche directe dans Z, dans Y et dans Z. Pourquoi? Parce que le premier MDP, le Y, ça commence par Y. Le deuxième MDP, le Y, ça commence par Y. Et Z, on a Z, ça commence pour le MDP ou par Z suivi de B. Donc là, on a deux récursivités gauche, pour Y et Z. Il faut mettre en relief quels sont les bêta I et les alpha I. Pour Y, on a un seul bêta qui est petit A, puisqu'on n'a pas de Y au départ petit A. Donc c'est le bêta.
et les alpha, on a deux alpha, le alpha 1, alpha 2. Le alpha 1, il suit le y, l'année, c'est A, B. Et le alpha 2, c'est petit b qui suit le deuxième y. Maintenant, la même chose pour Z. On a deux, un seul alpha prime et un seul bêta prime. Le C, c'est bêta prime puisqu'il ne contient pas grand Z au départ. Et le A prime, A prime c'est le alpha prime, c'est l'élément qui suit le nom terminal de la récursivité qui est petit b. On élimine maintenant. Et X, il reste identique. Maintenant, le Y, il va vous donner quoi? Il va vous donner les bêta. On a un seul bêta qui est A, et A suivi du nom terminal qui est Y'. Le Y', il va vous donner les alpha. On a deux alpha, alpha 1, alpha 2. Alpha 1, l'oulané, c'est AB. Alpha 2, le deuxième, c'est B. Et chaque alpha suivi de nom terminal qui est Y'. Donc, premier alpha, c'est AB suivi de Y'. Deuxième alpha, c'est B suivi de Y'. Là, pour le Y. La même chose, on va faire la même chose pour Z. Z suivi de bêta prime qui est C, et bêta prime suivi de nom terminal qui est Z prime. Z prime, il va vous donner quoi? Le bêta qui est, le alpha prime qui est dans notre cas B, et B suivi de Z prime. Z prime, c'est pas Z. B suivi de Z prime. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Il faut mettre par contre Z suivi dans B, Z prima, ce n'est pas Z. D'accord? Donc là, c'est pour la grammaire G2. Il nous reste une dernière grammaire, c'est la grammaire G3. On va partager, je vais vous partager avec vous la correction de l'exo, la grammaire G2. Ça, c'est pour la notion de récursivité gauche. Donc la grammaire G3, vous voyez que S donne grand A petit B petit C, slash grand B petit A petit A, slash grand A grand B. Grand A donne grand A petit A grand B, slash grand A petit B, slash A grand SC, slash epsilon. Grand B donne petit B grand B, slash epsilon. Vous remarquez qu'il y a une récursivité gauche directe dans grand A, puisque grand A, il a deux MDP qui commencent par grand A. Le grand A, le MDP le premier et le deuxième MDP. On n'a pas de récursivité gauche indirecte dans cette grammaire G3. Pourquoi? Parce qu'on a S inférieur à grand A et S inférieur à grand B. Mais on n'a pas de grand A inférieur à un certain moment, on ne revient pas par grand S. Donc il n'y a pas de récursivité gauche indirecte dans S. D'accord? Donc là, on a une récursivité gauche directe dans A, il faut mettre en relief les bêta I, il est alpha I. Donc on a deux bêta, bêta 1 c'est AS, AS, C, ce qui ne contient pas grand A au départ. Et le deuxième bêta 2 c'est epsilon, on n'a pas de grand A au départ. Les alpha I, donc les éléments qui suivent le nom terminal de la récursivité. Le alpha 1 c'est petit A grand B, et vous voyez le alpha 2 c'est petit B. Comment on transforme? Il suffit de S, il reste identique. Grand A, il va vous donner les bêta I, bêta I, bêta 1, c'est A, S, C, deuxième bêta, c'est epsilon, et chaque bêta I suivi de mon terminal crié qui est A'. A, S, C pour bêta 1 suivi de A', et epsilon suivi de A', il va vous donner que A'. Maintenant, le A', il va vous donner les alpha 1, alpha 1, c'est petit a grand B, slash alpha 2, c'est petit b, et chaque alpha I suivi de A'. Donc, alpha 1, c'est A, B suivi de A', et petit b suivi de A', qui est bêta alpha 2. Donc maintenant, la grammaire G3, elle est non récursive gauche. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est pour la notion de récursivité à gauche directe et indirecte, et la notion de factorisation, puisqu'on va les utiliser par la suite, les grammaires LL1, parce qu'on doit vérifier à chaque fois, est-ce qu'une grammaire elle est LL1, si elle est, non factor, si elle est factorisée, ici la grammaire elle est non récursive gauche, avant de passer les autres définitions. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Monsieur. Oui. Monsieur l'ordre, mais je vais vérifier ce la factorisée ou la récursive gauche. Mais l'essentiel, c'est qu'il te dit qu'il y a une grammaire, قول باللي عندك لا غرامير اللي نون ريكورسيف غوش اللي فاكتوريزي بو امبورت نون ريكورسيف غوش ولا فاكتوريزي بو امبورت ليسونسييل كو لي دو كونديسيون سون فيريفي تبدا بلا فاكتوريزاسيون ولا لا ريكورسيفيتي بو امبورت دكور ليسونسييل كو لا غرامير فيريفي لي كونديسيون ال ان دكور 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 باسكو يا دي مومون ميم سي اون فو دون
Il y a des moments où on vous donne une grammaire, on va voir, je crois, la grammaire de l'exo 4, elle est récursive gauche, mais elle est factorisée. Et par la suite, quand on va faire l'élimination de la récursivité gauche, on tombe sur une grammaire non factorisée. D'accord. Et donc, automatiquement, si elle devient non factorisée, il faut la factoriser et vérifier est-ce que par la suite, les conditions LL1 sont LL1. D'accord. On va voir ça avec l'exo 4. L'exo 4, on va voir ça. Et donc, automatiquement, à chaque fois, il vous vérifie est-ce que les non récursive gauche factorisée ou la factorisée non récursive gauche, l'essentiel est que la grammaire les articulisée, elle doit vérifier les conditions LL1 qui sont la factorisation, la récursivité gauche. Et soit on utilise la définition 2, on construit la table dans LL1 et on trouve les monos définis, donc la grammaire elle est LL1. Soit on utilise la définition 3, donc elle est non-récursive gauche factorisée, et par la suite on va étudier chaque règle comme on a fait l'exemple précédent, chaque règle de production qui dépasse 2 MDP, on va vérifier les conditions, les 3 conditions LL1, et on trouve tous les règles vérifier les conditions LL1, donc la grammaire elle est LL1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des remarques, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des problèmes concernant le cours ou le TD? Est-ce que vous avez des remarques sur le cours ou le TD, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des remarques sur le cours ou le TD? Non. Donc, jusqu'à maintenant, on avait la phase lexicale et la phase syntaxique. La phase syntaxique, on a deux grandes parties. On va parler des méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. Jusqu'à maintenant, on avait les méthodes descendantes. On va voir pour la prochaine fois les méthodes ascendantes. C'est le sens inverse, l'inverse de la méthode descendante. Maintenant, je vous demande d'essayer de revoir les cours théoriques, même le TD. Si vous avez des questions, on peut l'étudier et les voir avant d'avancer le cours, les méthodes ascendantes. S'il vous plaît, est-ce que vous avez eu l'assistante à l'ETP TACOM? Non. Pas encore. On n'a pas fait, le TP lundi passé. Lundi passé, c'est un TP. Est-ce qu'elle a envoyé un email ou le responsable, le délégué TACOM? Est-ce qu'elle a envoyé, parce que j'ai envoyé des emails à l'administration interne, ils m'ont envoyé qu'il y a une enseignante qu'elle va prendre en charge les TP TACOM. Mais jusqu'à maintenant, je vois qu'elle n'a pas envoyé, est-ce qu'elle a envoyé un email les étudiants internes, la section C, s'il vous plaît. Elle n'a pas envoyé d'email pour les étudiants, on a délégué Maïchane. Maïchane, elle a belle image, je suis chauffé à la déléguée. D'accord. Donc, pour voir même l'administration, puisqu'on travaille en ligne, même l'administration, je n'arrive pas à trouver une solution pour ne pas être en retard, puisque les autres sections, ils ont commencé déjà le TP. Je vais voir à l'administration, puisqu'ils m'ont envoyé qu'il y a une assistante qui va prendre en charge les TP. Mais je croyais comme un email pour vous mettre au courant et donc on commence. Il faut commencer au plus tard la semaine prochaine. Je vais voir à l'administration et voir à l'assistante indiquée, l'assistante déléguée pour faire le TD, le TP TACOM. Il faut qu'on commence la semaine prochaine pour ne pas être en retard. C'est bon. Donc, je vous demande de revoir les cours théoriques, comme vous voulez, les TD. Si vous avez des questions, on peut les traiter. Est-ce que pour le rythme tel cours, jusqu'à maintenant, il est bon? Est-ce que ça va vite ou là, ça va moins? Ou là, vous voulez quoi de plus sur le cours ou là? Monsieur, juste une remarque, c'est de nous envoyer un peu plus tôt les séries TD. Parce que donc, comme maintenant, c'est les séries TD. Enfin, ma voilà, n'est pas sur le drive. لا بعدها
Le délégué tacom n'est pas ici. Je l'ai envoyé la semaine passée au Chbé. Tu as envoyé la série numéro 2. Alors j'envoie toujours avant de commencer. Mais je l'ai envoyé. J'ai le email TI sur le. Elle n'a pas envoyé la série d'exo. Je vais vous envoyer la série d'exo. Même la correction qu'on a fait ce matin, même avec les trucs que je fais le cours, je crois à chaque fois qu'il le cours, j'envoie les trucs que je vais faire le cours, les explications. Et en même temps, si on fait un TD, j'envoie la correction. Les exos qu'on a fait. Chaque jour, j'envoie. Même la série d'exos, j'ai déjà envoyé la série d'exos sous forme de PDF, parce que donc, même les cours sous forme de PDF, je les ai déjà envoyés sous forme de PDF. Est-ce que vous avez reçu les cours comme sous forme de PDF? Oui, oui, donc on les a reçus. D'accord, la série d'exos, je vais vous envoyer donc, la série d'exos, la correction de l'exo 1 et l'exo 2, tu as la série numéro 2, et je vais vous envoyer même l'explication qu'on a faite ce matin pour le cours. Hein. D'accord. Est-ce que le cours ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à suivre là? Pour qu'on puisse trouver une solution là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? J'attends toujours votre réponse. Oui, c'est bon. Donc, si c'est bon, on se voit la semaine prochaine, mardi. Donc, on aura un cours un TD mardi. Et mercredi, on aura le deuxième cours. Et donc, je vais régler le problème de les séances LTP de la semaine, Inch'Allah. Et donc, bon week-end et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur. Il n'y a pas de cours.
Thank you.